Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 2 juin. C'est notre journée de répit pour la semaine. C'est notre journée de répit, d'autant plus que vous le savez, samedi, dimanche, Mercure repasse en marche directe et Saturne donne un coup de frein. Donc la journée de repos, astrologiquement parlant, ce sera jeudi 2 juin. Alors, c'est un repos qui pourrait être relatif, parce que la Lune est toujours en Cancer, et elle fera seulement un sextile avec Uranus en Taureau. Uranus, des innovations, de l'inspiration, des idées bizarres, des idées différentes, des surprises. Donc, un seul transit, mais il pourrait être de taille. Quoi qu'amène ici Uranus, je sais que j'en avais déjà parlé hier, même si ça peut surprendre, Uranus ici est hautement utile. Il est en Taureau. Alors il a peut-être des idées différentes, mais un fil de fer peut faire l'affaire, peut réparer quelque chose et vous permettre d'aller loin, même si techniquement il faudrait quelque chose de plus technique, de plus résistant qu'un fil de fer. Uranus en Taureau, ça va être l'idée qui change la donne et qui parfois remplace une ressource dont on ne dispose pas par une ressource dont on dispose. C'est vraiment, en Taureau, il y a une énergie d'Uranus à trouver des solutions concrètes, à trouver des petites choses qui permettent de faire la différence, faute de ressources ou de possibilités qui soient plus claires, qui soient plus évidentes. Uranus, c'est toujours quelque chose de différent. Mais ici, et ça, je sais que j'en ai parlé hier, les sextiles, entre le Taureau et le Cancer, les sextiles sont toujours des aspects favorables. Ils sont des aspects favorables parce que le Taureau et le Cancer, quand ils se connectent, le Taureau aura tendance à réconforter le Cancer. Et le Cancer, de la même manière, va apporter un certain confort, une certaine harmonie. Ici, il y a la légère nuance selon le sens dans lequel le transit fonctionne. Le Taureau au Cancer va apporter du réconfort et le Cancer au Taureau va conforter l'action du Taureau. Donc c'est pour ça que c'est des sextiles qui sont toujours extrêmement bénéfiques. Les deux signes s'entraident. L'infini et la tranquillité. Ça, c'est une énergie intéressante. Parce que le sextile d'Uranus vient révolutionner nos émotions, mais aussi les soutenir, les encourager. Un sextile, c'est toujours bénéfique. Ici, on peut avoir l'idée farfelue de renouer tout simplement avec la tranquillité. Se dire, aujourd'hui, oh, je vais me détendre un peu, je vais lâcher prise sur ce qui me préoccupe. Et je vais aller là où le vent me porte. Uranus aimerait beaucoup ce genre d'énergie. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Deux cartes, l'impératrice de la perle et les huit immortels. Mais comme elles sont très grandes, et au final, ce sera la lune radieuse de compassion. 23. Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion. La lune en Cancer, c'est ça. Hein.
Bon, la lune en poisson est encore plus compassionnelle, mais lune en cancer, je pense que la lune, là, au lendemain de la surchauffe qu'elle a connue pendant la nouvelle lune en gémeaux, il y a une plongée dans le domaine émotionnel du cancer qui est sûrement indéniable. Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses, de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. En cancer, elle va être trigone avec Neptune en poisson aussi. Ce sera probablement dans la journée d'après-demain. Et après-demain, il y a Mercure qui redevient direct. Vénéré Kuan Yin, votre compassion vous donne une énergie, une patience, une paix et un amour infini. Infini. Faites couler en moi votre lumière et aidez-moi à trouver la mienne, la tranquillité, l'harmonie, afin que je m'élève au-dessus des énergies de peur et de jugement vers une compassion plus grande qui me libère pour vivre en paix. Illuminez-moi, lune radieuse de compassion, Om Mani Padme Hum. Bon, pour certains d'entre nous, peut-être que le sextile Uranus en Taureau, c'est la solution rêvée, c'est l'idée rêvée. Voilà, ce sera plutôt ça, l'idée rêvée. C'est tout d'un coup, j'ai l'idée rêvée. Il y avait plusieurs cartes. J'ai l'idée rêvée et là, ça me tranquillise l'esprit. C'est j'admets certaines choses et je fais confiance à l'infini. Ah, il y avait la confiance. Il y avait la confiance. Confiance. C'était pas le terme clé hier. Si. J'arrive plus à me rappeler le nom de la carte. Elle est floue. Non, c'est pas celle-là. Bon, tempérance. Équilibre va nourrir votre détermination. Oh ! Votre équilibre va nourrir votre détermination à accueillir le changement. Ouais, il va falloir l'accueillir. 5 de bâton. Impératrice, force, 4 de coupe. 5 de bâton. Il va falloir se faire violence. Il va falloir se faire violence parce que on a des idées. Créativité. On a des ressources, mais il faut avoir la tranquillité d'esprit pour décider que entre nos idées et nos ressources, on peut tenter un truc. La roue. Donc, plus vous serez serein, mieux ce sera pour affronter cette journée. C'est votre sérénité qui vous permettra d'affronter le changement. Et avec un chevalier pentacle, c'est même canaliser le changement. Un chevalier pentacle, il canalise les changements. Parce que comme il est concentré sur ses objectifs, il sait où il veut aller, il fait en sorte que les roues, elles pointent dans cette direction. C'est quelqu'un d'obstiné par nature. Donc, si les roues partent par là, il va redresser. Il va descendre du char, il va attraper les chevaux, oui, il va tirer dans la bonne direction. Quitte à marcher à côté des chevaux, le temps qu'il faut pour qu'ils restent alignés sur la bonne direction. Il y a beaucoup, beaucoup de détermination, et là, j'insiste d'autant plus qu'on a tempérance. C'est plus vous serez serein, plus vous serez en accord avec ce que vous faites, et plus votre détermination, votre motivation resteront à des niveaux élevés. On en revient à l'alignement. Si je pense quelque chose, que je l'énonce et que je le fais, à chaque étape, je renforce le processus. Si je pense à quelque chose, mais j'en parle pas et je ne le fais pas, le processus est nul et non avenu. Chevalier de Pentacle, ici, il est là pour s'assurer que entre ce que l'on a admis et ce qui vient, on fasse le nécessaire. Tiens, revoici les autres. Il est temps de changer dans vos relations ce qui ne vous convient pas.
Et on a à nouveau le 5 de bâton au dos. Cette fois, ça a changé, tiens. Malgré votre peur, il va falloir réellement vous pencher sur ce processus de transformation. Le moment est venu de remédier à la situation. Il y a quelque chose qui ne me convient pas dans mes relations. Je vais faire en sorte que cela change, que cela évolue dans la bonne direction. Il peut y avoir l'idée de faire sans aussi. Si les autres ne veulent pas m'accompagner, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je prends la route. Et puis, en cours de route, je finirai bien par rencontrer des personnes qui vont dans la même direction, qui ont les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Concentrez-vous sur ce qui est constructif ici, sur ce qui vous permet... 5 de bâton toujours au dos. Cette fois, on a l'huit d'épée, la char et le jugement. Concentrez-vous sur ce qui est constructif. Mettez votre énergie, l'as de coupe. Mettez votre cœur, votre énergie dans ce qui vous équilibre. Et dites-vous bien que ça finira par équilibrer vos relations avec les autres. Si vous donnez de la compassion, si vous donnez de la bienveillance, quand vous en aurez besoin, vous recevrez à votre tour de la bienveillance et de la compassion. Si vous donnez des cris, des hurlements et des tapages de pieds, tout le monde en voiture, parce que c'est gédiexidé que... attendez-vous à ce qu'un de ces jours, vous ayez des personnes qui vont taper du pied et vous dire elles aussi qu'elles ont décidé que... Roue, 7 de pentacle, magicien. Ce sont vos choix qui vont guider le changement. Tempérance, as de coupe, c'est l'infini, la tranquillité. Vous devez d'abord trouver l'infini. Vous devez d'abord trouver l'harmonie en vous. Et une fois que vous aurez fait l'harmonie en vous, viendra l'harmonie avec les autres. 5, 6, 7. Ici, il y a l'idée que... faut pas vous laisser arrêter par les aléas de la situation. 5 de bâton. Le 5 de bâton ici vient de combattre ce sentiment de misère. Il ne faut pas que ça devienne un piège. Là, 6 et 5, 11. Ici, 11. 15. Et 6, 21. Le moment est venu changer quelque chose dans nos relations, dans les dynamiques de nos relations, dans la façon dont les... dans la façon dont nous développons l'harmonie avec les autres. 4 d'épée, 4 de bâton. 4 d'épée. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. 4 de bâton. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur. Une vie personnelle satisfaisante. Notre cœur doit réfléchir en termes d'harmonie et d'équilibre. Accordez-vous ce dont vous avez besoin et redistribuez ce que vous avez en trop. Quoi qu'il arrive, alors, on rentre dans une période où on va rencontrer des personnes, on va rencontrer des âmes sœurs, où nos choix vont nous guider vers de nouvelles personnes. Votre détermination donnera des résultats. Hein. 10 de pentacle sur chevalier de pentacle, c'est très bon. Le page de bâton. Chevalier de coupe, reine de coupe. Tempérance. À partir du moment où notre cœur est en harmonie avec nos actions, avec nos paroles, à partir du moment où nous aurons fait l'équilibre en nous, nous allons pouvoir donner un nouvel élan à nos projets. Et ce nouvel élan, 17, 16, il s'agit de créer le changement.
Il s'agit de semer de nouvelles graines, d'aborder un nouveau stade et de changer ce que l'on ne veut plus, ce que l'on ne veut plus subir. Le chariot, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Le 10 de Pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux, préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Et le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Je vais aussi lire l'équilibre. L'équilibre, donc tempérance, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. C'est simplement qu'on a atteint un point. La roue, le 10 de Pentacle, il y a quelque chose qui est achevé. Et ce quelque chose qui s'achève doit nous donner la tranquillité d'esprit tout en nous donnant l'impulsion pour le nouveau départ, pour ce que l'on veut voir changer, ce que l'on veut semer, le nouveau stade de nos projets. Non, c'est le chevalier d'épée. Le moment est venu de faire un choix définitif. Et ça, nous le savons. On a le page de coupe au dos. 4 d'épée, page de pentacle, as de bâton. 2 d'épée, chevalier d'épée, monde. Le monde est sur le magicien. Il s'agit de prendre un nouveau départ. Il s'agit d'aborder ce changement. Là, on a l'axe magicien-monde qui s'allume. Et la roue est au milieu. C'est un nouveau stade. Qu'est-ce que vous voulez semer? Il y a des choses qui se terminent. Certains de nos choix sont définitifs. Certains de nos choix, dans nos relations, amènent le changement, l'évolution dans nos relations. Deux d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous-même au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Le chevalier d'épée, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Et le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Le page de coupe. Le page de coupe, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, hésitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Il s'agit de choisir l'idéal avec ce page de coupe au dos. Il s'agit de mettre fin, de faire table rase. Ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'énergie dans ce sens, en fait, dans les semaines à venir. Table rase. Il faut faire des choix définitifs. C'est j'en veux ou j'en veux pas. Ça a sa place ou ça n'a pas sa place ici. Et une fois que le choix est fait, bon ben on s'occupe de ce qui est possible. Oh ! 7 d'épée couvert par un as de coupe et un 2 de bâton. On a la lune au dos. L'univers est infini. Et l'univers est infini, vient nous rappeler la lune, en concluant ce tirage. L'expérience de la vie, la papesse et le roi de pentacle. Le moment est venu de faire des choix qui changent votre vie. Le moment est venu de comprendre que la lune agit dans votre intérêt. Parce qu'il faut connaître la nuit avant d'embrasser le jour, le soleil. La lune, puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. C'est pour ça qu'on a cette énergie de 5 bâtons qui est restée tout le long du tirage.
parce qu'on est en lutte avec la situation, alors que le moment est venu de guérir de la situation, de retrouver l'harmonie, la tranquillité d'esprit, en admettant que l'univers est infini et que ce sont nos choix qui président à nos résultats, à nos évolutions. Le 7 d'épée, vous pouvez faire un meilleur choix, une capacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. L'as de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Et le 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Tant que vous ne prenez pas cette décision, tant que vous bataillez avec la situation, vous ne semez pas les graines, vous ne progressez pas. Vous ne rencontrez pas les nouvelles personnes que le changement va amener dans votre vie. Ben oui, je suis tout le temps à vous parler de la grande maison de la vie. Bon. On va parler du grand livre de la vie. Le grand livre de la vie. Ben, quand un chapitre se termine, alors il était sympa le chapitre, c'était l'hiver, on était tous enfermés chez nous, on continuait à écouter tous les fadas et à tourner en rond. Ben, maintenant, c'est le chapitre du printemps, c'est le chapitre où il faut sortir, il faut aller vers les autres, il faut aller vers le renouveau, il faut travailler aux récoltes qui viendront en fin d'été et nous aideront à passer l'automne et l'hiver. Bref, le moment est venu de décider de ce qui est meilleur pour soi et de le mettre en œuvre. De cesser de se tirer une balle dans le pied. Parce que là, le 7 d'épée, il est en opposition frontale avec le 7 de pentacle. Tant que vous ne prenez pas cette décision définitive, vous n'avez pas le nouveau stade et vous ne pouvez pas progresser. Donc il faut trouver l'harmonie pour accueillir le changement, pour commencer à travailler à ce qui vous déplaît, à ce que vous ne voulez plus, à changer la dynamique. Vos intentions vont être une clé, hein. C'est pour ça que tout le tirage ne vous parle que de tranquillité, de compassion et d'harmonie. Parce que ce sont vos intentions que le moment est venu de définir. C'est, vous le voulez comment, le changement ? Vous voulez mettre fin à quoi et démarrer quoi ? Cet as de coupe, c'est quoi dans votre esprit ? Comment il se présente ? C'est votre intention. Prenez le temps dont vous avez besoin pour faire des projets, pour jeter les grandes lignes. On va avoir Mercure qui va redevenir direct. Donc, dans les jours à venir, bon, le temps qu'il retourne en Gémeaux, etc., il y a sa période d'ombre qui doit se terminer, mais je vais y arriver. C'est ce que je vous dis depuis des semaines. Le feu d'artifice, la conjonction Mars-Jupiter, on a Mars, on a Jupiter en bélier, dans le genre, j'ai envie de partir en courant et de foncer droit devant, rien de ce qu'il peut y avoir. Mur et ici, le bélier, enfin, l'énergie bélier, elle veut qu'on aille directement au but. La rétrogradation de Mercure, à mon sens, nous a fait beaucoup de bien. Ça a évité que le jour de la conjonction, il y ait des petits malins qui allument des feux un peu partout. Parce qu'ils avaient décidé que c'était le bon moyen pour abattre les arbres qui les empêchent d'avancer. Parce que c'est ça, souvent. Les imbéciles allument des feux en se disant « comme ça, il n'y aura plus d'arbres. Et puis, je pourrai voir où je vais. » Oui, c'est bien connu, les arbres poussent au milieu de la route pour nous empêcher d'avancer. Try desert spirit of place. Il s'agit non seulement de définir votre intention, mais vraiment de cultiver ce sentiment d'harmonie avec ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est quel monde j'ai envie de créer désormais. Quel monde j'ai envie de créer. Où c'est que je vais me sentir aligné avec mes objectifs, avec ce que je suis, avec ce qui vient.
Et ça va être le plus difficile finalement, c'est de trouver cette harmonie en soi. Dans Spirit of Place, on est dans l'harmonie. Ça va être le plus difficile parce que ça va nous obliger à affronter certaines réalités, à admettre certaines choses sur notre capacité à faire ou à ne pas faire certaines choses. Mais une fois que ce sera fait, la 10 de Pentacle, monde, ça y est, on sait, As de Coupe, magicien, roue, As de Coupe à nouveau, 7 de Pentacle, on sait ce que l'on veut semer, on sait ce qu'on veut. Au moment de la métamorphose, ce sera une formidable libération. C'est vraiment, c'est là que vous plongerez dans l'infini. Ce chevalier de pentacle, il est serein. Il sait que quoi qu'il arrive, il va redresser la barre au niveau du chariot. Redresser la barre, ça se dit en bateau. Ouais. Ben oui, ben si le vent tourne, il sait qu'il va pouvoir redresser la barre. Ici, on nous demande d'être créatif. On nous demande de vraiment... C'est plus fort que ça, en fait. La progression, elle vient de la résilience en elle-même. C'est pas tellement prouver notre résilience, c'est faire preuve de résilience. Ici, c'est es-tu sûr ? Es-tu sûr de ce que tu veux ? Es-tu sûr de ce que tu veux ? Et il va falloir penser sur le long terme. Vous n'avancerez pas tant que vous ne penserez pas sur le long terme. Si vous ne pensez que à demain, après-demain, si vous pensez sur le court terme, vous allez rester à tourner en rond. Le long terme, c'est quoi ? C'est un jour, je veux passer ce mur. Un jour, je veux aller au-delà. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Comment je procède ? Est-ce que je fais demi-tour ? Mais ça va être tous les matins, en ce moment. Là, ça provient de ma chambre. Plus de la salle de bain. Oh. Bah, je vais aller couper. Ouh, je sais pas ce qui m'énerve le plus. Ce bruit de bon matin ou le mauvais temps. Ah oui, non, j'estime qu'il fait mauvais. On a eu deux belles journées la semaine dernière. Après, on a eu la pluie. Et puis maintenant, on a cette brume qui vient, qui va. Oh, la mer, elle se réchauffe. C'est pas cette brume qui va nous permettre. Bon. Le moment est venu de se lancer dans l'inconnu. Bah oui. Le moment est venu de se lancer dans l'inconnu. Le moment est venu d'innover. De faire différemment, le moment est venu d'être concentré sur le changement, l'évolution et ce qu'on veut en retirer, la manière dont on veut que ça se progresse. Et ce sera la clé de toute chose. L'univers, c'est la seule chose qu'il attend de nous. Que nous nous mettions debout et que nous nous mettions en marche. Ensuite, il décidera. Il décidera des moments où vous pourrez vous pencher, ramasser un trèfle à quatre feuilles sous une forme ou une autre, et puis des moments où vous allez buter sur une pierre parce que rectifie ta trajectoire, tu dévies un peu trop sur un côté ou sur un autre. Affirmez-vous dans vos relations. S'il y a des choses que vous ne voulez plus, mettez-y fin. C'est je ne veux plus de ça, c'est fini, stop. C'est quelque chose que je n'accepte plus, je n'admets plus. Ça va être sans doute être plus difficile demain. Mettre des limites à certaines choses. Enfin, la lune en cancer, elle a parfois du mal. Hein. Les énergies cancer, les émotions font que parfois on a du mal à... à s'équilibrer émotionnellement. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Cupidon nous renvoie à la lune radieuse de compassion.
et à la tranquillité. S'affirmer fait le lien entre la tranquillité et l'infini. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Au chaud disait, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et une fois que vous serez assis, parfaitement vous-même, il y aura un appel qui retentira en vous, qui vous dira de vous lever, et tout naturellement, vous prendrez le chemin que vous savez être bon pour vous. Et ce sera aussi simple que ça. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.